Très bien. Monsieur Bazin, allez-y, nous vous écoutons. Non, je plaisante, attendez. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement à l'article 28... Attendez, ce n'est pas encore mangé, je crois. Si, si. Ah non, voilà, ça repart. Il est 44, c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait 45 alors que nous... Mais j'avais... Voilà, pile poil, on démarre, avec donc on reprend nos travaux. Très bien. Et de facto, je passe la parole à Monsieur Thibault Bazin avec l'amendement 67. Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Cet amendement vise à étendre le cadre de l'article 28 à la télé-expertise. Dans l'intérêt des patients et pour la cohérence du système de santé, les exigences de l'agrément pour les sociétés de téléconsultation doivent concerner aussi la télé-expertise. Pour éviter les conflits d'intérêts, il sera de plus source d'économie par limitation des pratiques illicites. Très bien, donc premier article, donc amendement à examiner de l'article 28. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Allez-y, Madame la rapporteure. Merci. Il me semble que votre amendement est satisfait, puisque l'article 28 va préciser ce cadre juridique très clair avec le travail avec les professionnels. Donc c'est une demande de retrait, sinon défavorable. Très bien, Monsieur Thibault Bazin. Je maintiens. Vous le maintenez, je le mets aux voix. Qui est pour cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure? Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Bazin. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, je vous propose d'utiliser des termes qui vous sont chers en rajoutant « en co-construction avec les organisations représentatives du secteur ». Monsieur, Madame la rapporteure. Là aussi, c'est satisfait à mon avis, donc défavorable, enfin retrait ou défavorable. Très bien, Monsieur Bazin. Je le maintiens. Vous le maintenez, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Monsieur Bazin. Oui, c'est un amendement de précision pour rajouter après évaluation et de certification, de manière à ce que la certification permette de contribuer à l'arrêt des dérives constatées de certains acteurs du marché. Très bien. Madame la rapporteure? Favorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Madame la rapporteure, pour le 553. Merci. C'est un amendement de suppression d'une précision qui était superfétatoire. Très bien. Je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Monsieur Bazin, pour le 164. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit de préciser que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les sociétés de téléconsultation sont définis par un accord national conclu par l'UNCAM et au moins une organisation représentative pour l'ensemble du territoire des sociétés de téléconsultation et que ça détermine les obligations des caisses et des sociétés, les conditions de l'exercice, les conditions permettant le paiement direct des honoraires à la société de téléconsultation. Très bien. Madame la rapporteure. Un avis défavorable avec renvoi à la convention médicale. Très bien, je suppose qu'il est maintenu, Monsieur Bazin. Tiens. Très bien, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Madame la rapporteure, l'amendement 554. Je vous propose de supprimer une disposition introduite par le Sénat qui aurait pour conséquence de limiter de manière très stricte les possibilités de prise en charge des téléconsultations. Très bien, je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Madame la rapporteure? Le 555. C'est à peu près la même chose, suppression des dispositions qui limitent là aussi la prise en charge, le nombre de téléconsultations, on sait l'importance. Très bien, je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre, il est adopté. Amendement suivant, Monsieur Bazin. Oui, je voulais réagir sur le précédent. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, Madame la Présidente, parce que je pense qu'on a quand même besoin d'assurer de la régulation, surtout si on veut lutter contre les abus. Je sais que c'est une cause qui vous est chère, Madame la Présidente. Cet amendement 165, Madame la rapporteure, est un rédactionnel. Je vous propose de parler plutôt d'agrément des opérateurs de santé numérique plutôt que seulement des sociétés de téléconsultation, puisqu'ils font plus que de la téléconsultation. Très bien, Madame la rapporteure. C'est défavorable. Votre terme est un peu trop vague, à mon sens. Très bien. Vous le maintenez, monsieur le député. Maintien. Je le mets aux voix. Qui est pour cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure? Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Monsieur Dharréville n'est pas là. Madame Ozano, monsieur Cato, pour le 343, monsieur le député. Défendu. Défendu. Ensuite, monsieur Dharréville n'est pas là. Amendement suivant, pas défendu non plus. Madame la rapporteure, votre avis sur l'amendement 343? Défavorable. Très bien. Je suppose qu'il est maintenu, monsieur le député. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement suivant, le 348, monsieur Cato. Défendu, madame la rapporteure? Défavorable. Très bien. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre?
Il est rejeté. Monsieur Bazin, vous avez la parole sur le 68. Amendement 68 pour faire primer la logique médicale à la logique commerciale en rajoutant de matériel de consultation. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ? Je suis assez favorable. Très bien. Donc, je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Amendement suivant, pas défendu. Amendement suivant, monsieur Bazin ? Amendement de précision que la certification devra comprendre à minima l'exigence par la société de téléconsultation du respect du référentiel hébergeur de données de santé, et des règles attachées à la norme ISO 27001. Très bien, madame la rapporteure. Toute bonne chose à une fin. Défavorable. Défavorable, maintenu. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, monsieur Bazin. C'est pour préciser que la prise en charge de la téléconsultation s'appuie fortement sur le respect d'une prise en charge au niveau du territoire. Cette condition est nécessaire pour garantir une réponse coordonnée autour du patient et un suivi de qualité dans la durée et de conditionner l'agrément des sociétés de téléconsultation à une présence médicale physique dans les territoires. Très bien, madame la rapporteure, votre avis ? Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement. Monsieur Meynier, vous vouliez intervenir ? Oui, Madame la Présidente, merci. Rapidement, mais malgré tout, quand on a inscrit la télémédecine dans le droit commun, on avait inscrit, et notamment dans le champ conventionnel, un critère géographique pour s'assurer que c'était bien les médecins habituels et les médecins du territoire qui assuraient les téléconsultations. On a voulu libéraliser, et je peux comprendre la raison, durant la pandémie, avec... y compris des téléconsultations par WhatsApp dont on pouvait douter de la sécurité de transmission des données. On voit fleurir de plus en plus sur le territoire des offres de télémédecine, notamment par cabine, avec des médecins derrière dont on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas quelle est leur formation. On peut se poser la question de la qualité réelle de l'offre et de la bonne organisation du parcours de soins. Et donc ça mériterait toute notre attention. Certains me diront peut-être que faute de mieux, c'est toujours ça. En réalité, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Très bien. Monsieur Bazin ? Oui, en complément des excellents arguments de mon collègue Meynier, on ne peut pas avoir un quoi qu'il en coûte éthique. Et donc notre système de santé se base sur la confiance, et la confiance d'avoir des professionnels avec une pertinence et une qualité des soins. Ce qu'on a pu observer, j'avais déposé des amendements pour lutter contre un certain nombre d'abus il y a encore 5 ans, 4 ans, notamment sur la téléimagerie, où on se rendait compte qu'il y avait des sociétés basées à l'étranger, ou parfois à Monaco, qui interprétaient parfois pour 5 à 10 euros la nuit, qui ne regardaient pas de savoir si la radio était pertinente ou s'il fallait plutôt un scanner, il y avait vraiment multiplié les actes, parfois à des coûts, voilà, et on ne savait pas où les données étaient envoyées, on ne savait pas qui les interprétait. Et donc aujourd'hui, je pense que on doit vraiment prendre la mesure de la financiarisation et l'ubérisation grandissante là-dessus, et qu'il serait, à mon avis, pertinent. Le but n'est pas d'obliger à ce qu'il y ait un médecin là où il n'y en a plus de médecin, pour le coup. Donc la notion de territoire même peut poser question, parce que, mais qu'on soit au moins à l'échelle d'un bassin de santé, qu'on puisse se raccrocher à quelque chose qui convienne. Je ne suis pas sûr que ça freinera le développement, mais en tout cas, ça permettra de le réguler en cas d'abus. Madame la rapporteure ? Moi, je rejoins ce qui a été dit par Thomas Meynier et M. Bazin. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais donné un avis favorable à votre autre amendement, pas sur celui-là, mais l'autre d'avant, qui permet d'éviter ce qu'on pourrait imaginer comme conflit d'intérêts quand on met une télécabine, par exemple, en plein milieu d'un magasin d'optique, avec des outils d'optique, par exemple. Voilà. Par contre, sur cet amendement que vous proposez là, ce n'est pas la question des médecins, c'est la question des structures physiques que vous dites. C'est-à-dire qu'une région qui n'aurait pas d'entreprise de téléconsultation ne pourrait pas en faire. C'est ce qui est décrit par cet amendement. Donc là, sur cet amendement, c'est un avis défavorable. Mais au-delà de ça, je crois qu'on a un vrai travail pour accompagner cette évolution, certes qui est nécessaire, on l'a vu pendant le Covid, et éviter les dérives qui peuvent survenir au fur et à mesure. Donc on a un boulot à faire là-dessus, il me semble. Très bien. Monsieur Neuder ? Attention qu'on s'entende bien. Ce n'est pas tant l'entreprise de télémédecine qui doit être territorialisée, c'est éviter que l'avis médical donné par télémédecine
soit globalement des entreprises qui sont pour la plupart pas forcément basées en France. Donc il faut qu'on arrive à trouver une solution sous forme d'un amendement, d'un sous-amendement, pour faire en sorte que, naturellement, il n'y a pas nécessité que l'entreprise de télémédecine soit sur le territoire, mais par contre que les médecins qui donnent ces avis par télémédecine, je pense que ça est compliqué de mettre la définition de territoire, par contre, qu'ils aient au moins une attache sur le territoire national, ce qui évite notamment toute la fuite d'interprétation, notamment sur l'imagerie, où on sait aussi qu'il y a des structures spécialisées en Australie qui embauchent d'ailleurs les radiologues et qui les précarisent totalement à terme la profession. Donc je pense qu'il faut, alors je ne sais pas sous quelle forme, Madame le rapporteur général, mais je crois qu'on partage ce constat-là, que sur la télémédecine, il faut que ça soit des médecins du territoire national qui soient dans un hôpital, dans une clinique, en libéral, qui peut faire un complément d'activité, qui peuvent être des retraités, ça peut être aussi une activité pour un médecin retraité, mais qu'il ne soit pas, entre guillemets, de nulle part. Donc je me pose la question si le fait de peut-être simplement préciser qu'il soit inscrit au Conseil national de l'ordre peut-être déjà régler le problème. Très bien. Madame la rapporteure, vous souhaitiez ? Non ? Très bien. Je mets aux voix donc cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Cato ou Monsieur Muller ? Monsieur Muller, merci Madame la Présidente. Donc cet amendement, voilà, depuis 2017, la mise en place de l'expérimentation de télémédecine par le biais de l'article 51, la télémédecine s'est considérablement développée en France et en particulier pendant la crise Covid. Avec ce statut, enfin avec cet amendement, il importe de poser des garde-fous à l'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne l'hébergement des données personnelles et des données de santé des patients. Voilà, merci. Très bien, Madame la rapporteure. Je pense que votre amendement est satisfait. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on avait adopté un amendement de Monsieur Gedge en première lecture qui permet bien de préciser que ces sociétés doivent absolument respecter le RGPD. Donc, retrait ou défavorable ? Retiré, Madame la Présidente. Très bien. Monsieur Bazin, pour le 175. Oui, c'est un amendement qui s'inscrit dans les propos que j'ai tenus tout à l'heure. Notamment, on a la chance d'avoir une charte des bonnes pratiques de la CNAM. On a un référentiel de la HAS sur les bonnes pratiques professionnelles avec des recommandations sur la télémédecine. Ce qu'il faut, c'est que les acteurs qui interviennent, les médecins, soient tenus au respect de la déontologie médicale. Or, le dispositif tel que prévu actuellement tend à éloigner la perspective d'une mise en œuvre du respect des obligations qui sont attendues. Et donc, 31 décembre 2023, ça apparaît lointain. Cet amendement permet de raccourcir finalement les délais pour qu'elles soient au plus vite sujettes à ces obligations minimales. Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Bazin. C'est pour qu'on puisse avoir un accord au plus près des réalités du terrain. Très bien, Madame la rapporteure. Défavorable. Je rappelle que les négociations devant aboutir à la nouvelle convention médicale viennent juste de débuter. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Madame la rapporteure. C'est un amendement qui corrige une erreur de référence rédactionnelle. Très bien. Je mets aux voix cet amendement rédactionnel 556, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 28 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 28 ainsi modifié est adopté. Article 30, Monsieur Bazin, avec le 191. Oui, j'ai déposé beaucoup d'amendements sur cet article. Je ne les défendrai pas tous par souci d'avancer, parce que j'espère d'ailleurs qu'on reportera un petit peu l'heure de dépôt des amendements pour qu'on puisse vraiment mesurer aussi ce qu'on a. Parce que là, 17h, on est en train de travailler. C'est compliqué. Laissez-nous quand même quelques heures de plus si on finit dans l'après-midi. Ce serait plus raisonnable. Cet amendement-là revient, Madame la rapporteure, puisqu'on n'a pas eu le débat en séance sur cet article-là, et j'aurais aimé pouvoir avoir un échange avec le gouvernement par rapport au transfert de la charge à l'établissement de santé du financement des stocks parfois imposés par des règles de Santé publique France. À un moment, les intégrer dans les calculs pose souci, puisqu'ils n'ont pas la main sur ces stocks.
Et je pense que c'est important de les supprimer pour ne pas les pénaliser. Ils n'ont pas à supporter les risques liés au stockage de produits de santé pour le compte de Santé publique France. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ? Alors sur celui-là, c'est un avis défavorable, mais comme sur les autres, mais particulièrement sur celui-là, parce que il paraît normal que l'État, quand il achète des médicaments par le biais de Santé publique France, puisse aussi bénéficier des remises pour les médicaments qui sont en accès dérogatoire. Très bien, donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant. C'est un amendement un peu complexe qui en fait cherche à rapprocher, dans un souci de lisibilité, la mécanique de tarification des médicaments de thérapie innovante de celle des autres médicaments, dans un souci d'avoir une vision plus fidèle de la valeur des médicaments de thérapie innovante et de préserver l'attractivité de la France. Je concède, Madame la rapporteure, que la rédaction issue du Sénat a beaucoup évolué par rapport à la vision initiale du gouvernement de septembre. Il y a encore quelques calages à faire, mais c'est beaucoup mieux que ça ne l'était. Très bien, Madame la rapporteure. Oui, je crois qu'un équilibre a été trouvé, d'ailleurs travaillé aussi avec les industriels. Et je rappelle que c'était à l'Assemblée que cette évolution a été faite. Très bien, Monsieur Leder. Juste, c'est pour qu'on se comprenne bien dans ce qu'on est en train de dire, parce qu'il y a eu tellement de mouvements. Moi, je n'ai pas vu le texte en totalité suite au 49.3 qui est parti au Sénat. Maintenant, il a été modifié au Sénat. Est-ce que vous pourrez, à un moment ou à un autre, quand est-ce qu'on va pouvoir bien savoir exactement, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans cet article 30 ? Parce que moi, je m'y perds un peu. Hein. Je suis désolé, peut-être que beaucoup de gens sont beaucoup plus affûtés que moi, mais entre le retour du Sénat, ce qui a été le texte déposé à l'issue du 49.3, on est un peu perdu là. Madame la rapporteure. On a adopté un amendement qui précise en fait les différents éléments du prix des thérapies innovantes pour qu'il soit bien clair que le tarif de responsabilité ou le forfait de thérapie innovante ne sont qu'une composante du prix à côté des versements annuels, puisque la crainte était que le prix qui apparaissait soit pas le prix réel. Donc ça a été travaillé dans ce sens et précisé. Très bien, donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Bazin. C'est pour rendre le mécanisme alinéa 7 optionnel, permettant ainsi une phase d'expérimentation. Très bien, Madame la rapporteure. Très défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis très défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Bazin. Oui, je suis très mécontent. Cet amendement vise à insérer davantage de concertation dans l'application de ces mesures, parce que ça a jeté un trouble par rapport notamment à tous les accords et engagements qui existaient entre le gouvernement et les entreprises du médicament, notamment sur l'innovation. Très bien, Madame la rapporteure. Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Monsieur Bazin. Même esprit, pour réintroduire le concept de négociation au cœur de réforme. Très bien, Madame la rapporteure. Besoin de moyens de pilotage, Monsieur Bazin, à mon sens, donc avis défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Bazin. Rédactionnel. Très bien, Madame la rapporteure. Défavorable. Défavorable, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Bazin. Un amendement visant à ce que l'étalement de paiement des thérapies innovantes qui a été négocié ne puisse se mettre en place que sur accord entre l'entreprise et les... Très bien. Madame la rapporteure. Il est satisfait à mon... On parle du 215, pardon. Très bien. Ah, je vous donne le micro. Je retire. Le 214, hein, on est bien sur le 214. Vous le retirez ? Défavorable sur le 214, pardon. Voilà, vous le retirez. Il est satisfait ou pas, alors ? Non, c'est le 215. Pardon. Ah, d'accord. Alors, je ne retire pas. Bon, je réintroduis, je le reprends. Vous êtes donc... 214 défavorables. Voilà. Oui, Monsieur Neudert. Juste au-delà de tout ça, c'est vraiment pour qu'on soit bien clair entre nous. Où est-ce que vous en êtes donc sur la sanction sur les chiffres d'affaires supérieurs à 50 millions par rapport aux thérapies innovantes? Oui, je suis probablement pas dans l'ordre des amendements, mais au global, la position finale qui nous sera proposée lundi en hémicycle, c'est quoi? Où est-ce qu'on en est? Désolé, hein, je devrais savoir, mais là, ça change tellement que... Il n'y a pas de problème, c'est l'amendement qui avait été gardé dans le 49.3 en première lecture de l'Assemblée.
et qui concerne l'article 9, en fait, dans la partie recette, d'accord, et qui prend en charge les 30% et 70% comme les industriels avaient proposé et que certains de vos amendements, d'ailleurs, portaient en première lecture. Très bien. Donc, Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Monsieur Bazin. Pour accélérer les débats, comme j'ai devancé l'avis de la rapporteure qui m'a dit qu'il était satisfait, je le retire. Très bien. Le 216, monsieur Bazin. Alors là, c'est un amendement de principe, en fait, qui renvoie au dialogue conventionnel. D'accord. Très bien. Madame la rapporteure. Il me paraît satisfait, parce qu'il va de soi que les conventions prévues avec les labos auront précisément cet objet de définir les modalités des versements. Retrait. Retrait, très bien. Monsieur Bazin, le 217. Défendu. Défendu, madame la rapporteure. Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Deux amendements identiques, pas défendu. Ensuite... qui est là ? Qui peut le défendre, celui-là ? Personne. Madame Rousseau, peut-être ? Madame Rousseau, vous vous défendez le 446 ? Oui. Le micro, s'il vous plaît. Pardon. Excusez-moi. Merci, Madame la Présidente. Donc, il s'agit d'un amendement visant à rendre transparents les coûts des thérapies géniques. Et c'est un amendement qui a été porté à l'initiative de Médecins du Monde, AIDS, Action Santé Mondiale et des universités alliées pour les médicaments essentiels. C'est notamment important pour les personnes les plus vulnérables. Oui, allez-y, madame la rapporteure. Je partage votre volonté de la transparence nécessaire dans le secteur du médicament. Après, c'est comme d'habitude, je dirais, une histoire aussi d'équilibre. Et en ce sens, votre curseur va très loin et ne me paraît pas équilibré. Donc un avis défavorable. Très bien. Madame Rousseau. Oui, juste pour rendre transparent le coût de ces thérapies et notamment la différence entre le coût réel pour les laboratoires pharmaceutiques et le prix de vente de ces thérapies des laboratoires pharmaceutiques. Très bien, je mets aux voix donc cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, monsieur Bazin. Défendu. Très bien, madame la rapporteure. Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, monsieur Bazin. Oui, c'est par rapport à quand un décès d'un patient arrive, il n'est peut-être pas forcément en lien avec le traitement qu'il reçoit. Même si son état de santé s'améliore grandement, il peut être amené à prendre d'autres traitements pour optimiser sa prise en charge. Et il me semblerait plus légitime, au lieu de faire arrêter les versements, d'avoir la possibilité de les faire évoluer. Vous vous défendez 218, madame la... Défavorable. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, monsieur Bazin. Toujours un amendement de principe sur favoriser le dialogue conventionnel. Madame la rapporteure, sur cet amendement de principe. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, monsieur le rapporteur, monsieur Bazin. Oui, c'est pour... encourager des accords spécifiques relatifs au fractionnement pluriannuel des paiements de médicaments de thérapie innovante. Très bien, madame la rapporteure. J'en vois pas très bien la nécessité, donc c'est un avis défavorable. Très bien, je... Maintiens. J'allais le mettre aux voix, monsieur Bazin. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Monsieur Bazin, le 221. Amendement de suppression de la procédure de référencement. Très bien, je mets... Madame la rapporteure. Alors là, je pense que M. Bazin vient de défendre le 129, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, pardon. Non, on est sur le 221. 221, c'est un âme. Oui, mais il a pas, ça ne porte pas sur le référencement, donc c'est pour ça. En tout cas, pour le 221, c'est satisfait, donc demande de retrait. Monsieur... Retrait, je fais confiance. Merci. La confiance n'exclut pas le contrôle. Très bien, Monsieur Guedj ou Monsieur Califère pour le 129. Bonjour, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Je vais prendre 4 secondes, je sais que là, on y va... Mais quand vous dites 4 secondes, je me méfie toujours. Marche forcée, alors, non, je ne vais pas prendre les 2 minutes, mais comme c'est des amendements qu'on n'a pas eu l'occasion d'examiner en première lecture,
Je souhaitais qu'on puisse poser la question sur le référencement, des critères du référencement. Et donc, la proposition qui est faite, vous voyez, c'est pas très long, c'est d'introduire, ce qui serait un effet novateur, des objectifs de développement durable s'agissant du référencement. Et si tel n'est pas le cas, et il serait défini par décret en Conseil d'État, si tel n'est pas le cas, de ne pas prévoir le remboursement, de la radiation de la liste des remboursements, dès lors, bien sûr, qu'il y a des alternatives thérapeutiques. Et donc, voilà, d'astreindre les laboratoires pharmaceutiques à introduire le développement durable dans la dimension environnementale, sociale et économique. Voilà, mais je pense que ça vaut le coup qu'on creuse cette question de la conditionnalité du référencement, parce que l'industrie pharmaceutique, comme les autres, doit se poser la question du développement durable. Très bien. Madame la rapporteure ? Il y a un rapport qu'on a adopté qui permettra que le gouvernement remette un rapport sur le référencement, puisqu'il a été supprimé en première lecture. Donc je pense qu'il peut être satisfait ou sous-amendé le rapport qu'on a déjà adopté pour la séance éventuellement. Mais en tout cas, en l'état, défavorable. Très bien. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant. Vous défendez, Madame Gontfer ? Défendu. Très bien, Madame la rapporteure. Demande de retrait parce qu'il me semble satisfait. Vous le retirez ? Merci bien. Madame la rapporteure, pour le 504 ? Nous réintroduisons avec cet amendement la faculté pour le CEPS d'imposer des remises. Très bien, je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Trois amendements identiques, Madame la rapporteure ? Ben justement, c'est le rétablissement du rapport sur le référencement. Très bien. Donc, autre amendement identique, le 374, Monsieur Cato, défendu. Défendu, Madame la Présidente. Très bien, merci bien. Amendement identique, Madame Iborra. Défendu. Donc, je les mets aux voix avec celui de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Je mets aux voix l'article 30 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 30 ainsi modifié est adopté. Je mets aux voix l'article 30 bis A, qui est pour, qui est contre. L'article 30 bis A est adopté. Je mets aux voix l'article 30 bis B, qui est pour, qui est contre. L'article 30 bis B est adopté. On arrive à l'article 31. Je passe la parole à Monsieur Bazin avec le 258. Je propose, Madame la Présidente, de défendre le 258 et en fait le 267 qui est le même, défendez. Qui est un peu plus loin. Oui. En fait, le 258 vise plutôt à supprimer les alinéas 10 à 12 parce que dans le secteur qui est un peu compliqué, hein, des prestataires à domicile, en gros, on a une diversité de profils. On a une complication des négociations par cet article et il y a plutôt un encouragement aujourd'hui à ce qu'on ait une pluriannualité des décisions, une régulation construite avec les acteurs. Donc on a un vrai problème de méthode. Et donc moi, je souhaite qu'on supprime ces alinéas 10 à 12 de manière à ce qu'on puisse retrouver le chemin d'une discussion conventionnelle. Très bien. Madame la rapporteure. Oui, vous proposez plusieurs amendements qui visent à revenir sur la mesure phare en fait, de l'article 31, qui est la dissociation de la tarification du produit et de la prestation qui va avec. Mais je pense que c'est une étape indispensable pour progresser dans la transparence du secteur du dispositif médical. Et donc, c'est un avis défavorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous arrivons à trois amendements identiques. Monsieur Bazin, le 182. Oui, alors c'est justement ce que vous venez de répondre, ce à quoi vous venez de répondre, Madame la rapporteure, puisque je vous propose de supprimer la mesure de dissociation tarifaire qui est prévue à cet article, notamment dès lors qu'aucune concertation n'a été menée et en l'absence d'une analyse approfondie des impacts sur les emplois et l'activité des entreprises du secteur, notamment dans les territoires, et nos territoires plus éloignés. Et je trouverais d'ailleurs assez intéressant que la réflexion qui est menée sur la question des laboratoires en milieu rural puisse peut-être s'élargir aussi à cette thématique de nos prestataires de soins, de santé à ce moment-là, de manière à ce qu'on ait aussi cet angle de vision, parce que c'est vrai qu'il y a une grande diversité d'acteurs et de circuits, et on voit bien qu'une réponse uniforme n'est pas forcément opportune. J'en profite, Madame la Présidente, pour accélérer nos débats. Cet amendement 252
Attendez, ne filez pas comme ça trop vite. 182, en fait, voilà. Le 271 est le même. Très bien. Je le défends en même temps. D'accord. Très bien. Donc, je vais mettre déjà. Alors, vous avez défendu le 182. Il n'est pas défendu. Si, non, pas défendu le suivant. Pas défendu, monsieur Neudert, défendu pour le 373. Défendu ? Oui. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur ces deux amendements tout d'abord ? Ils sont défavorables. Défavorables. Donc je mets aux voix ces deux amendements identiques, le 182 et le 373, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Le 267, monsieur Bazin, il a déjà été défendu. Défavorable. Je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement 271, qui a également été déjà défendu. Je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Je vous remercie. Le 278. Oui, alors, votre article, madame la rapporteure, aux alinéas 20 à 29, est déjà satisfait. Donc, je vous propose, comme c'est redondant, de supprimer ces dispositions, puisque l'article L165.2.2 dispose que tout exploitant ou fournisseur distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue est tenu de déclarer au CEPS, par année civile et par produit, le prix auquel il a vendu, le cas échéant au distributeur au détail, chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur. Donc, retrait, sinon défavorable. Très bien, madame. Il est parfait. Il est parfait. monsieur, faites la réponse en même temps. Vous aviez tout bon, monsieur Bazin, retrait, sinon défavorable. Voilà, alors j'attends la réponse, justement. Il y a un petit problème d'écriture dans votre amendement concerne le texte de première lecture et pas du Sénat. Je vais retirer pour retravailler en vue de la séance. Très bien. Il faut laisser du travail un peu pour la séance. Monsieur Bazin, pour le 302. J'espère que vous nous obtiendrez un délai, madame la présidente, parce que ce ne serait pas cohérent d'avoir dépassé le délai alors que la commission n'est pas finie, même si je sais que nos administrateurs vont avoir beaucoup de travail et que ça retarde. Ça ne dépend pas de moi. Cet amendement 302 vise à supprimer les alinéas 42 à 65, puisque c'est encore la dissociation tarifaire, dès lors qu'aucune concertation n'a été menée. Je sais, madame la rapporteure, que vous n'y êtes pour rien, parce que c'est plutôt le gouvernement qui... Madame la rapporteure, sur le 302. Défavorable. Très bien. Oui, monsieur Meynier. Je vous donne le micro. Merci, madame la présidente. Non, juste une question, parce que les amendements sur l'article 31 défilent assez vite. Pour avoir juste une précision de madame la rapporteure sur ce qu'il en est des équipements, notamment optiques, avec cet article, parce qu'il y a eu des modifications réalisées au Sénat. Et si on peut avoir des informations, notamment de la part du gouvernement, pour savoir ce qui est véritablement concerné ou pas par cet article, et quelles garanties on peut avoir, notamment sur les équilibres financiers concernant certains équipements optiques, mais pas seulement. Très bien. Madame la rapporteure. On va en parler juste sur les amendements suivants. Moi, ouais, c'est ça. Non, mais on est déjà sur le 302, s'il vous plaît. Défavorable. Très bien. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Deux amendements pouvant être mis en discussion commune. Monsieur Neudert. Oui, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, ça vient d'être évoqué par Thomas Meynier. Attention, tous les dispositifs médicaux remboursables ne peuvent pas se voir appliquer le même mode de régulation économique, et notamment ceux qui sont appliqués aux médicaments. On va prendre un exemple très particulier, qui est celui de la lunette, et notamment de la filière industrielle des lunetiers. Et je pense qu'il faut qu'on veille, notamment dans ces périodes de crise économique, de crise sanitaire, à favoriser aussi des formes de souveraineté qui participent à l'amélioration sanitaire et de santé de nos pays, qui sont les lunetiers. Si on applique les régulations économiques qui sont prévues par l'article 31, j'ai très très peur qu'on rende nos lunetiers complètement non compétitifs et qu'on se retrouve au prix du remboursement sécurité sociale de la lunette, de favoriser toute l'importation des lunettes de Chine je ne parle pas des verres, je parle des montures et de tuer une filière totale alors que c'est quand même une vraie filière, un vrai savoir-faire de chez nous. Donc je ne sais pas quelle est la position exacte du gouvernement sur ce texte. Très bien, madame la rapporteure.
Il y a un autre amendement, je pense. Ah, il y en a un autre. C'est deux amendements identiques. Oui, Monsieur Bazin. Oui, merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, en complément de mon collègue Yannick Noda, je pense qu'on a un vrai sujet de calage sur cet article 31 tel qu'il est sorti. Il faut effectivement qu'on puisse traiter de ce qui relève de l'optique et de l'audio, puisque ils sont déjà traités dans le 100% santé pour une grande partie. Or là, si on maintenait la rédaction telle qu'elle est, ça serait déjà profondément inadapté, parce qu'on relève davantage des complémentaires. Et le deuxième élément, c'est que ça pourrait être contre-productif, parce que ça augmenterait le reste à charge de ceux qui prennent le hors 100% santé. Donc je pense qu'il faut qu'on soit vigilant pour le coup, parce que là, on serait en dehors de la cible visée. Alors, il y a cette rédaction-là, mais l'amendement suivant est une autre rédaction, mais qui est un peu dans le même esprit. Donc à votre bon cœur. Très bien. Madame la rapporteure. En fait, vos amendements, ils sont satisfaits par l'adoption d'un amendement au Sénat qui prévoit ce dispositif-là. Donc c'est une demande de retrait, sinon défavorable. Si, l'amendement 75 de mémoire. Très bien. Monsieur Bazin. Madame la rapporteure, je ne sais pas si on aura le loisir de pouvoir échanger en séance avec le gouvernement sur cet article. Pourtant, il peut avoir des conséquences très importantes, et on le sait bien. Le retour que j'ai des acteurs concernés... Pardon ? Je pense qu'il y avait une crainte qu'il soit retiré... D'accord. Donc je vous demande d'être dans vos discussions avec le gouvernement en 4.49.3, c'est pour être vigilant sur la rédaction finale qui sera retenue dans l'article, dans le projet de loi qui engagera le gouvernement dans le 49.3, à ce qu'on puisse bien sortir l'optique et l'audio. Très bien. Monsieur Meignier, avant. Oui, merci Madame la Présidente. Désolée, j'avais un amendement d'avance tout à l'heure. Oui, étant donné qu'on ne sait pas si on aura ce débat en séance lundi prochain, je voulais juste savoir si dans les 10 éléments de discussion de la rapporteure générale avec le gouvernement, il y avait un avis du gouvernement sur cette disposition qui, me semble, était défavorable, mais il était défavorable au Sénat. Et donc, de savoir ce qu'il en serait, si on a le débat, on pourra en parler avec le gouvernement, mais si on ne l'a pas, de savoir comment les choses sont perçues en vue d'un 49.3. Attendez, avant, Madame la rapporteure, Monsieur Neuder. Oui, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, je me retrouve dans les propos, c'est-à-dire que on entend que le Sénat répond à la demande d'amendement, mais étant donné que effectivement, c'était quelque chose qui a été rajouté par le Sénat sur lequel le gouvernement était contre, est-ce qu'on dans l'état d'avancement de vos discussions, moi je préférerais qu'on vote les amendements en commission pour au moins prendre acte, parce que si vous nous les rejetez au titre que le Sénat a apporté un amendement qui les satisfait, et étant donné qu'on va avoir un 49.3 et qu'on ne sait pas ce que vous allez garder du texte du 49.3, c'est un peu un chèque en blanc et on n'a aucune garantie que finalement vous avez bien compris le sujet qui est de préserver en fait la filière, notamment des lunetiers, au niveau de notre pays. 49.3, 49.3, ne préemptez pas, attendez. Madame la rapporteure. On travaille à partir du texte du Sénat, donc vos amendements-là ne peuvent pas s'intégrer dans le texte, donc c'est un avis défavorable si vous les maintenez. Et très bien. Et donc, satisfait par ailleurs. Voilà, je mets aux voix ces amendements, s'il vous plaît. On a déjà suffisamment passé de temps sur ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Amendement suivant, Monsieur le rapporteur, Monsieur Bazin. Oui, en complément de ce que vient de dire Thomas Meignier, je me demande, Madame la rapporteure, comme le gouvernement avait pris en compte des amendements votés en commission quand il a fait son texte du 49.3, si on n'aurait pas intérêt à voter un amendement de précision qui, justement, allez, on remet une couche pour vraiment envoyer le message que notre commission des affaires sociales, sensible à la question de l'optique et de l'audio, le sort du dispositif. Madame la rapporteure. Je ne doute pas que votre message est entendu ou sera entendu. Maintenant, on écrit aussi la loi correctement, et donc c'est une demande de retrait aussi sur cet amendement.
Très bien. Je retire celui-là pour tout donner sur le suivant. Bon, vous avez la parole. Gardez la parole. Cet amendement vise à exclure l'optique médicale et l'audioprothèse du périmètre d'application de ces mesures. C'est un amendement défendu avec perspicacité. Madame la rapporteure. On reconnaît votre cohérence et votre détermination, mais ça reste une demande de retrait. Très bien. Maintien. Maintien. Je le mets aux voix, s'il vous plaît, cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant. Si, attendez. Ne discutez pas. Allez-y, Monsieur Bazin. Si, discutez sur votre amendement, le 326. Amendement de suppression de l'alinéa 75. Très bien. Madame la rapporteure. Demande de retrait, sinon défavorable, pour la même raison. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, le 326, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement 329, Monsieur Bazin. Défendu. Très bien. Je mets Madame la rapporteure. Défavorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, le 330, Monsieur Bazin. Oui. Les entreprises, parfois, elles ne peuvent pas être tenues responsables de retards qui ne sont pas de leur fait. Donc, il conviendrait de limiter les sanctions à des manquements manifestes du seul fait des entreprises elles-mêmes, témoignant d'une volonté de se soustraire à leurs obligations. Très bien. Madame la rapporteure. Défavorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Monsieur Bazin, le 331. Amendement pour améliorer les conditions de la négociation conventionnelle. Très bien. À laquelle le gouvernement a manifesté en apparence son attachement. Très bien, Madame la rapporteure. Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Je mets aux voix l'article, je réfléchis un peu, 31, qui est pour, qui est contre. L'article 31 est adopté. Article 3 bis A, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre. L'article 31 bis A est adopté. On arrive à l'article 32. Monsieur le rapporteur, Monsieur Bazin, vous avez la parole. L'article 32, vis à compte. Il y a un petit changement, attendez. J'attends la rapporteure thématique. La rapporteure générale se retire. Non, ne nous quitte pas. Voilà. Elle va revenir, vous inquiétez pas, Monsieur Bazin. Bienvenue à Madame Caroline Janvier à mes côtés. Je la laisse s'installer. On est sur l'amendement 346, Madame la députée, Madame la rapporteure. Monsieur Bazin. Oui, cet amendement vise à élargir le champ d'application des nouveaux outils mis à disposition de l'État, des ARS, l'IGAS ou le DGF, à toute forme de groupement, quel que soit son statut juridique. Vous le savez, Madame la Présidente, lors des auditions qu'on mène en parallèle sur un texte, les formes juridiques peuvent être, on ne peut plus varier, avec une agilité juridique et une innovation pour uberiser les choses. Je pense que cet amendement permettrait de couvrir un champ plus large. Très bien, Madame la rapporteure. Oui, un avis défavorable ou une demande de retrait, puisque votre amendement est déjà satisfait. Les établissements qui relèvent à la fois du secteur public ou du privé associatif sont déjà mentionnés aux articles L313-12 et L313-13 du Code de l'action sociale et des familles. Très bien, monsieur. Retrait. Retrait, très bien. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre amendement, le 522. Oui, c'est un amendement de suppression de la précision introduite par le Sénat, selon laquelle la signature de CEPOM est conditionnée à la vérification du respect des obligations fiscales et sociales, puisque ça ne relève évidemment pas des ARS, mais bien des services fiscaux. Très bien. Je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure, qui est pour. S'il vous plaît, je mets aux voix l'amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Monsieur le rapporteur, le 352. Amendement de précision visant à ce que les reports aux réserves qui ont pu être constitués soient négociés. Très bien. Dans le cadre du nouveau CEPOM. Très bien, Madame la rapporteure. Satisfait, donc défavorable. Très bien. Retrait. Très bien. Monsieur Gedge ou Monsieur Califère, le 148. Monsieur Gedge. Oui, amendement déjà tenté en première semaine. On veut transformer en obligation ce qui est actuellement la possibilité de prendre en compte les reports et les réserves de l'EHPAD lors du renouvellement du CEPOM et de la fixation des tarifs. Voilà. Très bien, Madame la rapporteure. La réponse. Madame la rapporteure. Même réponse, effectivement. Il faut laisser une marge d'appréciation aux autorités de tarifs et voilà, une autonomie dans ces négociations, donc défavorable.
Très bien. Donc, je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Très bien. Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Bazin. Amendement de précision, puisque des reports à nouveau peuvent être déficitaires ou excédentaires. Très bien. Madame la rapporteure. Défavorable, puisqu'en effet, la tarification aux recettes a pour corollaire la responsabilisation des acteurs. Et donc, voilà, même avis qu'en première lecture. Monsieur Bazin. J'espère que la responsabilisation des acteurs sera aussi réciproque, parce qu'on a parfois des délais pour avoir les réponses des autorités de tutelle sur l'utilisation des reports, avec des notifications des autorités de tutelle qui tardent énormément, notamment des ARS. Et ça gêne vraiment le fonctionnement de nos maisons de retraite, je pense. Et on a un certain nombre à y siéger. Et il serait bon aussi que l'État soit exemplaire. Très bien. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Madame la rapporteure. Oui, c'est un amendement de suppression d'une disposition introduite par le Sénat qui propose de préciser par un décret... La notion d'excédent non justifié par des conditions d'exploitation. Très bien. Je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, Madame la rapporteure, votre amendement. Là encore, une suppression d'une disposition du Sénat qui plafonne le montant des reports et réserves figurant dans le budget des EHPAD. Très bien. Je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, Madame Fiat. Oui, merci Madame la Présidente. Nous proposons que les EHPAD privés qui engrangent des bénéfices sur le dos des salariés qui ne seraient pas assez nombreux ou et mal payés en reversent une partie à la CNSA. Très bien, Madame la rapporteure. Un avis défavorable puisque ça remet en cause le principe de la libre affectation des résultats par le gestionnaire. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Deux amendements pouvant être mis en discussion commune, pas défendu. Et l'amendement suivant, Madame Fiat. Rédactionnel. Rédactionnel. Madame la rapporteure, sur cet amendement rédactionnel. Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant, Madame Fiat. Nous souhaitons préciser que, ah oui, que toute personne morale sanctionnée pour avoir indûment bénéficié de fonds publics ne pourra plus jamais prétendre à ces sommes. Très bien, Madame la rapporteure. Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Deux amendements identiques, Monsieur le rapporteur, Monsieur Bazin. Amendement ayant pour but de donner aux autorités compétentes la possibilité de bloquer un transfert d'activité en cas de préjudice sur les petits épargnants. On a eu le débat en séance. J'étais un peu déçu parce qu'on a renvoyé vers un autre ministère, puisque ça ne dépendait pas du ministère de la Santé. Pour autant, ce n'est pas la réponse appropriée. Donc moi, je souhaiterais profiter, Madame la rapporteure, de cet amendement pour que vous puissiez, au-delà de la question du PLFSS, qu'on n'a pas pu débattre jusqu'au bout, que le gouvernement se saisisse de cette question et puisse vraiment protéger les épargnants qui seraient abusés d'un tel transfert par des opérations immobilières successives. Très bien. Monsieur Gedge, amendement identique. Les arguments à déployer l'ont été par le collègue Bazin. Donc, même type de préoccupation, avec le risque que ce type de situation se multiplie en réalité dans les années à venir. Donc, ça vaut le coup de s'y atteler avant d'avoir d'autres... Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur ces deux amendements identiques ? Alors, même réponse qu'en séance, défavorable pour deux raisons. D'une part, parce que ce mécanisme... Censier-Bouvard arrive à extinction, donc ce type de situation ne se reproduira plus. Et la deuxième raison, c'est qu'encore une fois, les ARS qui ont vocation à contrôler le respect des droits des usagers, la qualité de l'accompagnement, n'a évidemment pas pour prérogative de contrôler la pertinence et le respect des engagements vis-à-vis des actionnaires. Mais je voudrais quand même juste préciser que nous allons pouvoir adopter un amendement qui propose de travailler sur cette question-là par un rapport. Et je crois que ça sera bien d'adopter cet amendement-là. Très bien. Donc je mets à Monsieur Bazin. Mais le Sénat a dégagé le rapport qu'on avait pris, donc j'espère qu'on le rétablira. Très bien. Le Sénat est dégagiste. Très bien. Donc je mets aux voix ces deux amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour,
qui est contre. Ils sont rejetés. Madame la rapporteure, le 525. Oui, c'est un amendement de suppression d'une disposition introduite par le Sénat qui proposait d'introduire la notion de périodicité régulière des contrôles, qui n'est pas très précise et pas très opportune. Très bien, je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 32 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 32 ainsi modifié est adopté. Nous passons à l'article 32 bis A avec un amendement de suppression de Madame la rapporteure. Oui, là encore, le Sénat a proposé de créer un comité des autorités de contrôle. Et donc, je n'y suis pas favorable pour différentes raisons. Ça n'appartient pas à la CNSA. C'est vraiment une compétence régalienne. Et on a des acteurs compétents qui se réunissent déjà. Très bien. Monsieur Guedj. Alors, je trouve que c'est un très bon amendement et que la réponse est un peu rapide. Même si ça n'appartient pas directement aux prérogatives de la CNSA, il manque aujourd'hui, à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, une instance de partage des différentes informations relatives au fonctionnement des EHPAD, c'est-à-dire l'inspection du travail, la DGCCRF, le conseil départemental, l'ARS, le procureur de la République, peuvent être chacun individuellement dépositaires d'informations parce qu'il y a eu une plainte au titre du droit du travail, d'un contrat de séjour, de maltraitance, etc. Et qu'il n'y ait pas un lieu dans lequel il y a un partage de l'information sur les EHPAD, c'est dommage. Il y a eu des expérimentations. J'en connais une qui a duré plusieurs années dans un sympathique département francilien. Et franchement, ça fonctionne. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait un pilotage national de cette politique coordonnée et une instance locale qui le mette en place. Donc, je trouve que l'amendement est bon. Je pense qu'il pourra se déployer peut-être sur d'autres, oui, sur d'autres supports. Mais la coordination des politiques de suivi qui ne sont pas que sur les sujets qui nous animent ici, mais plus largement, c'est la vie d'un EHPAD. Il y a plein de gens qui la regardent. S'ils partagent l'information, la vigilance est plus grande sur le fonctionnement global de l'EHPAD. Donc c'était très des bons amendements qui étaient d'ailleurs dans le rapport Meunier-Beaune, je crois. Très bien, monsieur le député. Donc vous saluez cet amendement. Donc je vais le mettre aux voix. Qui est pour ? Ah ben, c'est ce que vous avez dit. Voilà, je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement donc est adopté. L'article 32 bis A est supprimé. L'article 32 bis B, Madame la rapporteure, avec le 527. Oui, c'est un amendement qui propose de supprimer la disposition introduite par le Sénat visant à permettre la contractualisation au niveau de la CNSA et des groupes gestionnaires. Donc il revient déjà sur le caractère territorial de la contractualisation. Et qui revient à confier un contrôle financier et comptable à la CNSA. Très bien. Monsieur Guedj. Oui, c'était aussi un excellent amendement du Sénat. Du Sénat, d'accord. J'ai bien compris. J'avais pas entendu le mot Sénat, en fait, vous voyez. L'amendement originel, évidemment. Oui. J'ajoute que je pense que la plupart des opérateurs eux-mêmes sont demandeurs de cette situation, qu'ils soient privés non lucratifs, la Croix-Rouge, ARPAVIE, SOS, ou ceux des groupes du CINERPA, puisque c'était une des propositions que eux-mêmes avaient formulées au lendemain de la crise Covid, d'avoir ce qui ne serait pas une contractualisation, mais une sorte de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Qui permettrait d'avoir la vision d'ensemble sur le groupe et qui justifierait, un peu comme une COGE, même si ce n'est pas des opérateurs publics, d'avoir un suivi sur la totalité de leur financement, de leur stratégie immobilière et d'avoir une vision globale que, pour aujourd'hui, personne n'a en réalité. Personne n'a la vision globale de la stratégie d'Orpea, de Korian, de Partage et Vie ou d'autres. Et que ce pilotage-là, et on faudrait définir le seuil des groupes concernés, c'est-à-dire dès l'instant où on est présent sur plusieurs départements, je pense que ça va dans le sens aussi d'un pilotage plus fin que les ARS, malheureusement, ne peuvent pas avoir, parce que le partage d'informations d'une ARS à l'autre ou d'un département à l'autre n'existe pas en réalité. Très bien, Madame Iborra. Oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire... de ce que vient de dire M. Guedj, si ce n'est que ce ne serait qu'une partie de ce qu'il faudrait faire. Et que cette partie, si on l'isole, elle va manquer d'efficacité.
les réformes qu'on doit apporter dans le secteur non seulement des EHPAD, mais du grand âge, dépassent bien celle-là. Pour le moment, on est en attente d'une réforme. La réforme n'est pas encore commencée, mais encore une fois, je crois qu'on peut être tous d'accord pour dire, à partir de ceci, on peut dire en effet que finalement, chacun a un petit bout d'information et les citoyens n'en ont aucune. Bien. Voilà, je mets donc aux voix cet amendement de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté et donc l'article 32 bis B est supprimé. On vient de me glisser une information qui va vous intéresser, mes chers collègues. Nous avons été entendus. Le délai de dépôt des amendements pour la séance est repoussé à demain, 13h. Voilà, donc très bien. Madame la rapporteure, l'amendement de 528. Oui, c'est un amendement de suppression d'une disposition du Sénat qui propose une réunion tous les 4 mois des représentants des autorités de contrôle. Donc, pour les raisons évoquées précédemment, voilà. Très bien. Je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté et donc l'article 32 bis C est supprimé. L'article 32 bis D, Madame la rapporteure. Un amendement de suppression d'une disposition sur l'intégration du coût de financement de l'évaluation de la qualité dans les CEPOM. Très bien, je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure qui pourtant, est pour. Il devrait plaire à Annie Vidal cet amendement. Qui est contre. L'amendement est adopté et donc l'article 32 bis D est supprimé. L'article 32 bis E, Madame la rapporteure. Je vous donne le micro, je ne sais pas qui a appuyé. Merci. Donc là encore, c'est un amendement qui propose de supprimer l'intégration introduite par le Sénat de l'évaluation des risques professionnels dans les CEPOM. Très bien, je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il est adopté et donc l'article 32 bis E est supprimé. L'article 32 quater, Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, le Sénat a injustement supprimé la demande de rapport adoptée par notre Assemblée concernant la mise en œuvre des dispositions de l'article 32 de la présente loi et l'encadrement des activités financières et immobilières des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants. C'est un sujet que nous avons évoqué avec Jérôme Guedj tout à l'heure. Et donc je vous propose par cet amendement de rétablir cet article issu d'un amendement du travail qui avait été mené par notre collègue Patrick Hetzel et de Pascal Brindeau. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ? Oui, alors en cohérence avec sa ligne sur le sujet du rapport, le Sénat a supprimé l'ensemble des rapports adoptés en séance publique. Et dans la mesure où ces rapports avaient été intégrés dans la version du 49.3 reprise par le gouvernement, je vais donner moi un avis favorable pour que nous respections le texte issu de la première lecture de l'Assemblée nationale. Donc un avis favorable pour cet amendement-là, et un avis favorable sur l'ensemble des autres demandes de rapport qui avaient été adoptées en première lecture à l'Assemblée. Très bien. Ça fait la joie de Monsieur Bazin, mais ça fait la joie aussi de Madame Fiat. Donc, je mets aux voix, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté, et donc l'article 32 quater est ainsi rétabli. Article 32 quinquès, Monsieur Guedj. C'est ça ? Oui, le 152, c'est ça. Ben, sur le 152, Monsieur Guedj est joie aussi après les annonces de Madame Janvier, puisque si les rapports qui avaient pu être adoptés lors de notre examen ici sont rétablis, tant mieux. Donc celui-ci en faisait partie. Très bien. Donc, il est satisfait. Madame la rapporteure. Alors, je vous donne le micro. Donc, oui, un avis favorable. Très bien. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Et l'article 32 quinquies est ainsi rétabli. 32 sexies, deux amendements identiques. Monsieur Bazin. C'est un amendement de rétablissement d'une demande de rapport qu'on avait adoptée de manière constructive ici.
Très bien. Monsieur Guedge, amendement identique, 156. Pareil. Madame la rapporteure, votre avis sur favorable. Ces amendements ? Favorable. Je mets aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis favorable, qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés et donc l'article 32 sexies est rétabli. 32 sexies, deux amendements de suppression de l'article. Madame la rapporteure ? Oui, c'est un amendement de suppression d'une disposition du Sénat qui vise à proscrire la signature de plusieurs CEPOM en cas de compétence conjointe ARS Conseil départemental. Très bien, donc je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il est adopté et donc l'article 32 sexies est supprimé. Article 33 bis, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre. L'article 33 bis est adopté. L'article 33 sexies, Madame Fiat. Oui, merci Madame la Présidente. Pour défendre le rapport ratio soignant-résident, combat de haute lutte, on réparera une injustice. Il faudra prévenir les sénateurs qu'on ne passe pas souvent des amendements, surtout moi, à l'Assemblée. Ce n'est pas bien de les enlever. Très bien, Madame la Rapporteure. Favorable. Très bien. Madame Iborra. Oui, évidemment, moi, je voulais intervenir sur cet amendement et sur le rapport en étant tout à fait satisfaite qu'il soit en effet retenu. Mais je crois qu'il sera important, et je crois que Madame Fiat sera de mon avis, puisqu'on était signataires toutes les deux du rapport de 2018, auquel elle fait référence souvent. Donc, je me permets de le faire aussi. Je disais, en tenant compte du taux d'encadrement, en tenant compte... Madame Fiat, écoutez-moi pour une fois. Non. Voilà. Concernant le taux d'encadrement, particulièrement au pied du malade. C'est-à-dire, on s'était bien rendu compte dans le rapport que quand on avait... Un taux d'encadrement général, évidemment, on arrivait à quelque chose d'à peu près. On pouvait considérer que c'était à peu près normal. Et puis, quand on de regarder les infirmières et les aides-soignantes qui sont auprès des personnes âgées, on s'apercevait que c'était même pas la moitié. Donc, on espère que dans ce rapport, il y aura bien la différence entre un taux général et un taux des personnes qui sont réellement au pied des personnes âgées. Très bien, âgées. Madame Fiat, oui. Vite fait. Juste pour rassurer sur ma demande et mon amendement, c'est bien précisé, au chevet du résident. Je confirme. Alors, donc je mets aux voix ce bel amendement qui a reçu donc un avis favorable, qui est pour, qui est contre. Il est adopté et donc l'article 33 sexies est ainsi rétabli. Article 33 sexies, madame... Non, monsieur Bazin. Oui, j'ai pas changé de sexe. amendement de rétablissement. Très bien. Demande de rapport. Madame la rapporteure, votre avis ? Favorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Donc l'article 33 sexies est ainsi rétabli. Amendement suivant, Madame la rapporteure, le 532. 532. Oui. C'est un amendement qui vise à augmenter le concours de la CNSA aux dépenses des départements relatives à l'APA. Le Sénat a adopté un amendement qui augmente ce plafond, donc le plafond de cette participation au concours versé aux départements. Dans le projet initial, ce plafond était rehaussé de manière progressive pour atteindre 8,6% à compter du 1er janvier 2003. Et le texte adopté au Sénat a porté ce taux à 9%, et ce, dès l'entrée en vigueur de la réforme. Très bien. Donc, je vous propose de rétablir dans sa version initiale, c'est-à-dire les 8,6% à compter du 1er janvier, ce qui correspond déjà à une hausse importante. Très bien. Je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté. Je mets aux voix l'article 34 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 34 ainsi modifié est adopté. Monsieur Bazin, pour le 58. Amendement de rétablissement d'une demande de rapport sur la question de l'opportunité d'élargir la durée d'indemnisation du congé de proche aidant, une thématique qui est chère à mon collègue co-rapporteur Paul Christophe et que je tiens à saluer pour son engagement. Très bien. Madame la rapporteure ? Favorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable, qui est pour, qui est contre.
L'amendement est adopté. Et donc l'article 34 bis est ainsi rétabli. L'article 34 ter, deux amendements identiques. Monsieur Bazin. Oui, un amendement aussi dans le même esprit qui vise à avoir un rapport sur l'opportunité de mettre des moyens afin de rendre l'allocation journalière du prochain an accessible aux aidants des personnes malades du cancer, qui est une autre thématique et qui peut se poser. Je pense que c'est un vrai sujet. On serait éclairé par ce rapport du gouvernement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir tous les éléments, nous, dans le cadre du printemps de l'évaluation. Très bien. Madame Fiat, amendement identique, 107. Oui, je sais pas, le Sénat a dû trouver que deux amendements adoptés par la France insoumise, c'était trop. Donc, je vous remercie de rétablir cette injustice et très bien expliqué par monsieur Thibault Bazin. Très bien. Donc, déjà, je suis inspirée par la Ligue contre le cancer, je précise quand même. Très bien. Madame la rapporteure. Oui, un avis favorable, juste pour répondre à Madame Fiat, pour le coup, et ce n'est pas pour défendre le Sénat, mais ils ont adopté la même approche vis-à-vis de toutes les demandes de rapport, quel que soit le groupe Très bien. Concerné. Je mets aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis favorable, qui est pour, c'est bien connu, qui est contre. Le Sénat n'aime pas les rapports adoptés, multiples. S'il vous plaît. Donc, l'article 34 ter est ainsi rétabli. J'attends la suite. Très bien. Nous arrivons, mes chers collègues, à l'article 35. Madame la rapporteure. Là encore, Madame la Présidente, c'est la suppression d'une disposition de Sénat, mais d'ailleurs sur laquelle nous avions aussi le débat en commission, et bien sûr l'intégration des coûts de démarrage des projets d'habitat inclusif dans le financement CNSA. Très bien. Donc, je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure, le 533, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement de Madame la rapporteure, le 534. Là encore, un amendement de suppression d'une disposition du Sénat qui porte sur la remise d'un bilan annuel de la mise en place de l'aide à la vie partagée par les départements. Très bien. Je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 35 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 35 ainsi modifié est adopté. Je mets aux voix l'article 35 bis A, qui est pour, qui est contre. L'article 35 bis A est adopté. Je mets aux voix l'article 35 bis B, qui est pour, qui est contre. L'article 35 bis B est adopté. Nous arrivons à l'article 35 bis C. Madame la rapporteure, le 535. Oui, là encore, la suppression d'une disposition du Sénat qui propose d'expérimenter l'accueil de jour en EHPAD pour les personnes ayant des troubles du comportement consécutifs à un syndrome démentiel. Très bien. Monsieur Bazin, pour le 66, amendement identique. Oui, pour tous ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent des PASA, PASA fonctionne à l'intérieur des maisons de retraite. Si demain, on élargit le public, c'est-à-dire qu'on va déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire que les moyens qui sont normalement pour les personnes qui ont des besoins spécifiques à l'intérieur d'une maison de retraite, si on l'ouvre à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle des accueils de jour. Et donc aujourd'hui, si on veut donner plus de moyens aux personnes qui sont à l'extérieur d'une maison de retraite, il faut muscler les accueils de jour. D'ailleurs, il y a une question sur le transport, il y a une question... Voilà. Mais on ne peut pas enlever les moyens spécifiques des PASA qui sont vraiment importants par rapport à ceux qui sont en perte d'autonomie à l'intérieur de l'établissement. C'est vraiment un renforcement avec des séquences par demi-journée. Et je pense que ça partait d'une intention louable au Sénat, mais c'est vraiment méconnaître les fonctionnements des PASA. Donc il faut préserver les moyens des PASA. Ça n'enlève pas la question des accueils de jour, mais on ne peut pas demander à un PASA de s'occuper. C'est deux questions différentes. Très bien. Donc je mets aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis favorable, dont celui de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés et donc l'article 35 bis C est supprimé. L'article 35 bis D, un amendement de suppression, Madame la rapporteure. Oui, la suppression d'une disposition qui propose de créer une conférence nationale des générations et de l'autonomie. Très bien. Donc je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté et donc l'article 35 bis D est supprimé. L'article 35 quater, deux amendements identiques, Monsieur Bazin. Oui, c'est un amendement très important pour moi de rétablissement d'une demande de rapport qu'on avait votée ici pour justement regarder les oubliés du Ségur, les oubliés du Lafourcade. On voit bien, on est souvent interpellé dans nos circonscriptions. Il faut qu'on ait ce rapport du gouvernement parce que parfois on fait le même métier et tout d'un coup on n'a pas les mêmes revalorisations. Le ministre Combes nous a dit oui, il y a un sujet, mais ce n'est pas à l'État de faire tout le chemin.
il faut qu'on puisse repartir d'une base vraiment très précise, métier par métier, secteur par secteur, parce que parfois il y a des financements, y compris de l'État, sur des établissements de justice, et y compris sur le handicap, on a des établissements financés quasiment à 100% par l'assurance maladie, donc on ne peut pas se dédouaner totalement de cette question-là, donc je souhaite qu'on rétablisse cette demande de rapport. Très bien, Monsieur Guedj, amendement identique. Très bien, Madame la rapporteure. Favorable. Très bien, je mets aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis favorable, qui est pour, qui est contre. Ces deux amendements sont adoptés et donc l'article 35 quater est ainsi rétabli. L'article 35 sexies, Monsieur Guedj, pour le 166. Défendu. Ils sont tous importants. Le micro, Monsieur Guedj. Voilà. Bon, donc celui-ci aussi est important. Il porte sur la PCH et sur le besoin d'y voir un peu clair sur les conditions d'évolution du montant de la PCH, des personnes couvertes, des critères, de son indexation. Et donc voilà, la PCH, c'est une belle prestation, mais elle a besoin d'être revisitée et pour cela d'objectiver la situation actuelle. Je crois que tout le monde était d'accord. Très bien, Madame la rapporteure. Favorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'article 35 sexies est ainsi rétabli. Je mets aux voix l'article 35 septies. Non, pardon. Oui, donc je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Donc je confirme donc la suppression de l'article 35. Septies. On est ça, hein ? Je vais un peu vite. Je salue le nouveau rapporteur, chaise musicale. Monsieur le rapporteur, je vous donne tout de suite la parole. Vous avez la parole. Chut. Oui, merci Madame la Présidente. Un premier amendement de suppression qui revient sur donc, la question donc, du versement aux assistantes maternelles des prestations, un débat que nous avions eu. Évidemment, nous sommes d'accord sur le fond, mais dans la forme, le dispositif ne tourne pas puisqu'il ne permettrait pas finalement aux ASMAD d'être rémunérés comme il se doit. Donc je renvoie tout simplement cela aussi aux travaux du comité de filière dont je vous avais parlé la dernière fois, qui devrait nous faire des propositions dans un temps relativement restreint. Donc, très bien. Amendement de suppression. Très bien. Donc je mets aux voix cet amendement de Monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, Monsieur le rapporteur. Oui, là aussi, un amendement qui vise à revenir sur une proposition faite par le Sénat au titre des tarifications des micro-crèches. Là aussi, il y a un dispositif qui ne tourne pas, donc on propose simplement de le supprimer. Très bien. Donc je mets aux voix cet amendement de Monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, pas défendu. Je mets aux voix l'article 36 ainsi modifié qui est pour, qui est contre. L'article 36 ainsi modifié est adopté. L'article 36 bis, Monsieur le rapporteur. Oui, un amendement qui vise à rétablir l'écriture que nous avions proposée pour permettre donc aux agents de la fonction publique de bénéficier du congé de présence parentale prévu. Très bien, je mets aux voix cet amendement de Monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 36 bis ainsi modifié qui est pour, qui est contre. L'article 36 bis ainsi modifié est adopté. L'article 36 quater, Monsieur le rapporteur. Oui, un amendement qui vise à rétablir une disposition qui m'est chère, c'est qui permet d'avoir un accord tacite au titre du renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale associée au congé de présence parentale au bénéfice des parents d'enfants gravement malades. Revient un accord tacite plutôt qu'un accord express. Très bien, je mets aux voix cet amendement de Monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté et donc l'article 36 quater est ainsi rétabli. L'article 37, Monsieur le rapporteur, le 541. Oui, un amendement qui vise à rétablir les dispositions prévues à l'article 37 relatif à la subrogation. Très bien, je mets aux voix cet amendement de Monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté, donc l'article 37 est ainsi rétabli. L'article 37 bis, deux amendements identiques. Monsieur Cyril Isaac Sibyl. Défendu. Monsieur Guedj, défendu pour le 171. Micro, Monsieur Guedj. Oui, enfin bon, voilà. Bilan de santé pour les enfants à l'ASE, il faut le rétablir. Voilà. Très bien. Monsieur le rapporteur, je lui coupe le micro. Oui, avis favorable, Madame la Présidente. Très bien. Je mets aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis favorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. L'article 37 bis est ainsi rétabli.
et de nouveau chaises musicales, avec un amendement de suppression du chapitre 6 bis, Monsieur Isaac Sibyl. Je lui souhaite la bienvenue et il va nous présenter l'amendement, le 516. Donc d'abord, il s'agit de supprimer cette division. Le micro, par contre. Bien sûr, Madame la Présidente. Donc il s'agit de supprimer cette division et cet intitulé qui ont été apportés par, qui ont été introduites par le Sénat parce qu'il y a un article portant réforme des retraites. Très bien, je mets aux voix cet amendement de Monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté et donc le chapitre 6 bis est supprimé. L'article 37 ter, 6 amendements de suppression de l'article 37 ter. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Donc c'est un article de suppression sur un thème qui est important. Cet amendement que je vous présente vise à supprimer les modalités de la réforme de la retraite proposée comme chaque année par le Sénat. Si nous partageons sur le fond le constat qui est fait par la majorité sénatoriale, celle d'une détérioration financière massive et rapide de notre système de santé, que confirme l'annexe B de ce PLFSS, avec un déficit de près de 16 milliards en 2026 de l'ensemble des régimes de base, la question c'est de savoir effectivement quand est-ce qu'il faut le faire. Vous savez que le gouvernement est actuellement engagé dans des concertations avec les partenaires sociaux qui doivent permettre de trouver des voies et des moyens pour réformer nos retraites et aller au-delà d'une simple mesure d'âge pour réformer ces retraites et pour préserver effectivement la retraite par répartition, mais aussi de faire progresser l'emploi en faveur des seniors et aussi pour faire en sorte de favoriser si le cumul emploi-retraite dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je vous propose de supprimer cet article qui a été introduit par le Sénat, comme il le fait chaque année, même si effectivement on peut imaginer que dans les semaines qui arrivent ou dans les mois qui arrivent, on sera amené à y réfléchir de nouveau. Très bien. Madame Fiat, amendement identique pour le 108, vous défendu ? Bien sûr. Monsieur Guedj, amendement identique, défendu ? Prenez le micro. Je le défends, mais forcément pas avec le même argumentaire qu'est celui de Monsieur Isaac Sibyl. Vous pouvez le supputer, c'est-à-dire que nous le supprimons, mais non pas de manière transitoire, comme il le laisse entendre, en disant que le diagnostic est partagé avec les sénateurs, ni en attendant la réforme des retraites et dans une sorte de teasing en disant qu'il y aura au moins de toute façon quelque chose de similaire, une forme d'honnêteté aurait consisté à prendre dès à présent, mais nous on est contre. Précisément parce que nous considérons qu'il n'y a pas lieu, ni aujourd'hui ni demain, de repousser à 64 ans et a fortiori à 65 ans l'âge légal de départ à la retraite. Très bien. Madame Rousseau, même argument ? Alors, mêmes arguments, mais pour dire en effet que là, bon, c'est particulièrement scélérat de le faire sur un amendement comme ça à la hussarde, mais qu'on sera extrêmement vigilant sur les étapes à suivre parce qu'il est évident que tout recul de l'âge de la retraite est en défaveur des personnes ayant commencé tôt, ayant des carrières difficiles et des métiers pénibles, et qu'il est vraiment hors de question que ça passe comme ça à la faveur d'un 49-3 entre deux passages entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Très bien. Donc, je mets aux voix tous ces amendements de suppression. Monsieur Bazin. Monsieur Bazin, oui, pardon. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, on ne va pas pouvoir examiner l'amendement qui suit, puisqu'il tombera, assez logiquement. Pour autant, à mon avis, il correspond davantage à l'exposé que vous avez développé, puisque je pense qu'il faut plutôt supprimer les alinéas 8 à 21 et maintenir le grand 1, qui est en fait le constat qui a besoin de lancer une concertation et le besoin qu'on puisse faire une réforme de justice sociale qui garantisse le niveau des pensions de nos retraités. Et donc, et je le dis très officiellement, j'appartiens au groupe des Républicains, il ne faut pas faire une réforme par amendement. Et j'ai déposé un amendement de suppression, puisque la logique des sénateurs qu'ils font chaque année, c'est d'équilibrer par quelques amendements. Il y a des amendements de création de taxes, et puis il y a cet amendement sur ces branches-là. Mais je pense aujourd'hui que d'acter dans le PLFSS qu'il faut lancer une concertation dans le dur, ça me semble nécessaire.
Et donc le grand 1, à mon avis, correspond à l'idée qui peut nous rassembler, de se dire il faudra qu'on fasse une réforme. Mais il faudra que la réforme soit bonne, elle soit juste, elle soit équilibrée. Et elle est complexe. On le sait tous sur les retraites. Vous avez travaillé comme moi dans la commission spéciale retraite sur les questions des pensions de réversion, sur la question des retraites agricoles, sur la question des familles. Ça ne peut pas être un amendement. Et donc, il ne faut surtout pas, j'allais dire, c'est trop mécanique. Et justement, on a besoin de pouvoir intégrer ça avec une notion aussi à la fois de responsabilité sur le niveau des pensions futures, mais aussi d'adaptation au vieillissement de la société et au phénomène de liberté qu'on doit, à mon avis, mettre en œuvre pour répondre aux attentes de nos concitoyens qui, pour certains, veulent travailler plus longtemps. Il y a un sujet sur le cumul emploi-retraite. Et d'autres veulent travailler moins tardivement. Et donc, il faudrait, à mon avis, une réforme profonde de notre système de retraite, mais qui garantit l'équilibre. Très bien. Nous aurons tout le loisir, de toute façon, de débattre sur la réforme des retraites. Madame Fiat. Oui, merci, Madame la Présidente. Juste, moi, j'ai dit défendu pour participer. Oui, non, mais on avait bien compris. Non, c'est pas ça. C'est que sur le Elias, c'est marqué non soutenu. Alors, s'il faut que je parle 2 minutes pour que ne plus avoir cette erreur, on va corriger, Madame la députée. Je parlerai 2 minutes. Non. Nous allons recorriger. Vous inquiétez pas. S'il y a eu une petite erreur. Très bien. Donc je mets. J'ai oublié la rapporteure générale. Merci, Madame la Présidente. Juste pour dire que je rejoins tout à fait le collègue Bazin pour dire qu'il faut qu'il y a une nécessité d'une réforme des retraites juste, équilibrée. Bonne, donc efficace, comme vous le dites, et adaptée au vieillissement de notre population. Et rappeler, par contre, que les concertations ont démarré avec des réunions régulières au ministère du Travail pour l'ensemble des parlementaires, de notre commission notamment, la première ayant eu lieu la semaine dernière. Très bien. Donc, je mets aux voix ces 6 amendements de suppression. Non, pas 6, peut-être. Ces amendements de suppression de l'article 37 terre, qui est pour, qui est contre. Non, mais j'ai dit qui est pour. Non, mais c'était clair. Qui est contre, ils sont adoptés. À l'unanimité. Et donc, effectivement. Amendements de suppression. Donc, ils sont supprimés. L'article n'existe plus. L'article lui-même est supprimé. Je mets aux voix l'article 38, qui est pour, qui est contre. L'article 38 est adopté. Je mets aux voix l'article 40, qui est pour, qui est contre. L'article 40 est adopté. Je mets aux voix l'article 40 bis, qui est pour, qui est contre. L'article 40 bis est adopté. Je mets aux voix l'article 40 quater, qui est pour, qui est contre. L'article 40 quater est adopté. Je mets l'article 41 avec un amendement de suppression de Madame Garin. Oui, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Ah, pardon. Moi, je ne suis pas Madame Garin, je suis Mme Taillé-Polian sur l'amendement 257, dont je défends. Défendez-le, Madame. Donc, je vais défendre celui de Madame Garin, pardon. Cet amendement de repli tend à exclure du dispositif initialement prévu les... Si, c'est ça. Le 78, Madame Rousseau. Ah bah oui, mais si vous dites non très fort, je pense que c'est toujours pour moi. Alors cet amendement de repli tend à exclure du dispositif initialement prévu les agents de l'inspection du travail, rattachés... Ah mais fuck, pardon. Oui, ça sera partenu dans les... Non, j'ai dit un gros mot, c'est pas bien. Ouais, non, c'est pas bien du tout. Excusez-moi. Je présente mes excuses. Ouais, voilà, c'est les bébés phoques. Voilà. Madame Rousseau, excusez-moi. N'interpellez pas, s'il vous plaît, ne vous interpellez pas. Madame Rousseau, vous défendez le 78. Ouais, mais alors du coup... s'il vous plaît, monsieur. Il va être défendu parce que je ne le retrouve pas. Bon, défendu, madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ? Défavorable, je mets aux voix cet amendement de suppression qui est pour, qui est contre. Ben, il faudrait voter, mes chers collègues. Donc, un amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant, Madame Rousseau, le 257. Alors, voilà, c'est Madame Taillé-Polian. Merci, Madame la Présidente.
Donc cet amendement, effectivement, c'est un amendement de repli au précédent. Nous considérons que la recherche de la fraude sociale ne peut du tout être incombée aux agents de l'inspection du travail, dont le nombre de postes a diminué depuis de nombreuses années, au détriment notamment des droits des salariés, de la préservation de leur santé, et alors même qu'on leur demande de nouvelles missions, notamment sur l'égalité femmes-hommes. Donc nous ne comprenons pas la raison de l'élargissement de la requête de la fraude sociale par les inspecteurs du travail. Eux-mêmes ne comprennent pas du tout. Ce n'est pas du tout dans leurs prérogatives au sens de celles que l'Organisation internationale du travail préconise. Et donc nous proposons donc de retirer la mention inspecteur du travail du texte. Je vous remercie. Très bien. Madame la rapporteure. Oui, nous proposons de donner des possibilités en plus aux inspecteurs. Ce n'est pas des obligations, c'est une possibilité de pouvoir de cyber-enquête, par exemple, supplémentaire, qui nous paraissent importants. Donc c'est un avis défavorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Madame la rapporteure. Oui, c'est un amendement de suppression d'une mesure qui permettait de transmettre le PV d'une infraction à une personne concernée. Très bien. Je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 41 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 41 ainsi modifié est adopté. Je mets aux voix l'article 41 bis, qui est pour, qui est contre. L'article 41 bis est adopté. L'article 43, 9 amendements de suppression. Pas défendu. Madame Gara, Madame Rousseau, défendu pour le 37. Défendu. Ensuite, amendement suivant, le 105. Madame Fiat. Oui, c'est par cet amendement, nous entendons supprimer les dispositions visant à limiter le versement d'indemnités journalières aux seuls arrêts délivrant téléconsultation par le médecin traitant. Et vu que je suis gentille avec vous, je vais vous épargner tout le laïus que je vous ai fait en première lecture. Très bien. Ensuite, monsieur Gage, défendu. 183, c'est des amendements identiques, hein. Très bien. Ensuite, monsieur Bazin a défendu pour le 299. Le 333, pas défendu. Suivant, pas défendu. Suivant, monsieur Neuder, défendu pour le 371. Défendu. Ensuite, monsieur Neuder, le 399, défendu. Madame la rapporteure, votre avis sur ces amendements ? Défavorable, madame la présidente. Très bien. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Amendement suivant, Madame Rousseau, le 408. Le 408 défendu, c'est un amendement de repli, Madame Rousseau. Très bien, Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ? Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Ensuite, des amendements qui sont présentés en discussion commune. Monsieur Gage ? Défendu, le 185 et le 188, les deux. Oui. Défendu, Madame la Présidente. Oui. Tout comme le 188. Même si on pourrait y passer du temps, mais on le fera en séance sous réserve du 49.3. Très bien, Madame la rapporteure. Défavorable. Très bien. Je mets aux voix donc le 185 qui est pour, le 185 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Même avis, même vote pour le 188. Très bien, je vous remercie, mes chers collègues. Présentation commune. 190, monsieur Gage. Défendu. Le 180, j'entends défendu. Non. Je vous donne le micro. Défendu. Micro, monsieur le député. Défendu. Et le 189, monsieur le député Gage. Défendu. Défendu, madame la présidente. Très bien. Madame la rapporteure. Défavorable. Très bien. Je mets aux voix donc le 190 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Même avis, même vote pour le 189. Monsieur Bazin, le 376. Défendu. C'est un amendement pour aller plus loin dans le contrôle des arrêts maladie octroyés dans le cadre de la téléconsultation et le risque de recours abusif, en limitant la possibilité de délivrance d'arrêt dans ce cadre à deux téléconsultations successives. Très bien, madame la rapporteure. Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre.
Il est rejeté. Quatre amendements pouvant être mis en discussion commune. Madame Rousseau, pour le 426. Alors cette fois-ci, je vais le défendre parce qu'il s'agit d'un amendement de repli qui vise à maintenir le remboursement des arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une téléconsultation dans le cas où le patient réside dans une zone où l'offre de soins est déficiente. Et c'est vraiment très important, particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. Très bien, je vous remercie. Amendement suivant, Madame Rousseau à nouveau, c'est dans, défendu pour le 132. Défendu. Monsieur Guedge, le 193. Oui, moi je vais m'arrêter une seconde celui-ci, parce que c'est aussi un amendement de repli sur cet article 43, qui est quand même problématique. Hein. Je vous rappelle qu'il avait même fait l'objet d'amendements de suppression de la part de députés du groupe Renaissance, donc le débat existait, y compris jusque dans vos rangs. Donc ça, c'est un amendement de repli qui permet aux patients vus en téléconsultation d'être orientés vers une consultation en physique lorsqu'un arrêt de travail est justifié, afin de permettre son indemnisation. Parce qu'avec votre système de pénalisation, il faut quand même qu'on évite celle-ci. Donc il y a l'amendement présenté Sandrine Rousseau et qu'on partage, qui était dans la même philosophie. Là, il est de repli pour qu'au moins on puisse en priorité avoir accès à une consultation en physique pour éviter le couperet de la pénalisation que vous allez mettre en place. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur ces amendements ? C'est des avis défavorables. Sur celui de Madame Rousseau, en raison que presque 90% du territoire est en zone sous-dotée, donc ça viendrait à supprimer l'article, et donc c'est un avis défavorable. Et sur l'amendement de Monsieur Guedge, je rappelle qu'on a voté en première lecture une information qui permet du coup de rendre votre amendement satisfait. Vous le maintenez quand même. Donc je mets aux voix l'amendement de Madame Rousseau, le 426, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Attendez, vous oubliez, ici on vote à la tribune. Donc, mais moi je fais les totaux. Hein, donc, non, j'ai beau être une lettreuse, j'ai encore compté. Donc il est rejeté. Amendement suivant, le 132 qui a reçu un avis s'il vous plaît, 132 qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Même avis, même vote pour le 193. Je vous remercie. Non, là, je sais compter. Alors, trois amendements pouvant être mis à une discussion commune. Monsieur Neuder, le 176. Oui, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, vous venez de le dire vous-même, 90% du territoire français est en zone sous-dotée. Près de 6 millions de patients n'ont pas déclaré de médecin traitant. Et malheureusement, quand on a un arrêt maladie, on doit le fournir dans les 48 heures. Et on sait que 50% des demandes de rendez-vous ont lieu au-delà des 48 heures. Donc il s'agit de contrôler naturellement les abus de la télémédecine, et on en est tous convaincus, mais de ne pas non plus pénaliser les gens qui ont besoin de fournir un arrêt de travail dans les 48 heures à leur employeur, et chez qui ça serait la double peine, puisqu'ils n'ont pas de médecin traitant et qu'ils ne peuvent pas fournir leur arrêt de travail dans les 48 heures. Je pense que plutôt que de pénaliser cette offre de service par la télémédecine, il vaut mieux renforcer le contrôle. Très bien, Monsieur Neuder, le 286 et 328. Défendu également. Madame la rapporteure, votre avis sur ces trois amendements ? Défavorable. Très bien. Je mets aux voix l'amendement 176 qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement identique, le 286 et le 328, avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Quatre amendements, présentation commune. Madame la rapporteure, le 557. Oui, merci. C'est un amendement de suppression des dispositions adoptées par le Sénat qui veulent durcir le régime d'indemnisation des arrêts de travail prescrits en téléconsultation. Très bien, je vous remercie. Monsieur Guedge, même amendement identique défendu ? Oui, mais parce que nous, on pense que l'article 43 n'est pas bon. Vous pensez que cet amendement du sénateur va trop loin. On pense que la base de départ est déjà mauvaise. Très bien, donc ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais en tous les cas, vous maintenez. Donc je mets... non, il y en a un autre. Madame Rousseau m'a défendu également. Eh bien, pareil que mon collègue Guedge, l'article 43 étant si mauvais, nous proposons de supprimer les alinéas 5 et 6. Voilà, très bien. Madame la rapporteure. Un avis favorable à ces amendements. Alors, donc, avis favorable pour tous ces amendements. Voilà. Alors, donc, je mets déjà aux voix.
celui de Mme Risse et celui de M. Guedj. Voilà, je mets aux voix les deux, là, déjà, les 557, c'est le 206, c'est bien ce que j'allais faire. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont adoptés et donc, de facto, les autres amendements tombent. Deux amendements pouvant être mis en discussion commune. Madame la rapporteure ? C'est un amendement qui rétablit la date d'entrée en vigueur de l'article 43 prévu lors de l'adoption à l'Assemblée nationale. Très bien. Donc, Monsieur Guedj, même avis ? Ben ouais, parce que le seul moyen d'avoir des amendements votés, c'est de faire les mêmes que la rapporteure. Donc, très bien. Non, c'est pas... Donc, je mets aux voix ces deux amendements, un par un, pardon. Le 552 qui est pour, qui est contre ? Il est adopté, et donc celui de M. Guedj tombe. Je mets aux voix l'article 43 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 43 ainsi modifié est adopté. L'article 44, Madame la rapporteure. Nous rétablissons l'article 44 par cet amendement. Très bien, je mets aux voix l'amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté, donc l'article 44 est ainsi rétabli. Je mets aux voix l'article 45 qui est pour, qui est contre. L'article 45 est adopté. L'article 46 bis, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre. L'article 46 bis est adopté. Je mets aux voix, Madame la rapporteure, pour le 518. C'est un amendement de rétablissement de l'ONDAM pour 2023. ONDAM indispensable. Donc je mets aux voix l'amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Et donc l'article 47 est ainsi rétabli. L'article 47 bis, Madame, Monsieur Guedj. Non, mais pardon, Madame la Présidente, parce que c'était très intéressant en CMP la remarque que vous avez faite, je crois, avec la rapporteure. Oui. C'est-à-dire la suppression étonnant. De l'ONDAM par le Sénat, c'est quoi la conséquence ? Enfin, c'est pas maintenant qu'on va. C'est anticonstitutionnel, je l'ai dit. On va ou pas ouvrir un débat de LOLF et de constitutionnalité, mais c'est quand même aussi intéressant conceptuellement que ça puisse être recevable. C'est-à-dire, en gros, la question, c'est comment l'amendement au Sénat a pu être recevable alors qu'il supprime une obligation. Voilà, mais bon. Voilà. Très bien. Alors, amendement de suppression. On l'a fait, celui-là ? Non, pas du tout, je vais trop vite. L'amendement, donc, de Madame la rapporteure, le 519, Madame la rapporteure. C'est un amendement qui supprime un article adopté au Sénat relatif à la qualification de la mise en cause de l'équilibre financier de la sécurité sociale en cas d'épargne. 1% de l'ONDAM. Très bien, donc je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté, donc l'article 47 bis A est supprimé. L'article 47 bis B, Madame la rapporteure. Oui, par cet amendement, nous reportons l'entrée en vigueur de la tarification de la réforme du SMR. Très bien, je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 47 bis ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 47 bis B est adopté. L'article 47 bis tout court, deux amendements identiques, Madame la rapporteure. On supprime le changement de dénomination du comité d'alerte de l'ONDAM en comité de suivi. Très bien. Madame Rousseau, pour le 238, c'est identique ? Pareil. Très bien. Je mets aux voix ces deux amendements identiques de Madame la rapporteure et le suivant, le 238 de Madame Rousseau, qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Je mets aux voix l'article 47 bis ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 47 bis ainsi modifié est adopté. Amendement 48, Monsieur Bazin. Il n'est pas là. Il est où ? Non mais on me dit qu'il n'est pas là. En plus, en tant que rapporteur, ça m'aurait posé problème quand même. Monsieur, alors là, vous êtes en bout de table, monsieur le rapporteur. Bon, alors je vous souhaite quand même la bienvenue. Voilà, monsieur Bazin, quand même. Monsieur Bazin, avec panache, vous allez nous présenter l'amendement 559 et le 381 dans la foulée. On y va. Synthétique ici. En synthétique et par souci de transparence vis-à-vis des collègues. À titre personnel, je dépose un amendement pour pouvoir... ne pas revenir sur ce transfert qui me semble trop important à l'heure où on a besoin d'investir sur la prévention. Et en tant que rapporteur soucieux d'être cohérent avec l'esprit du PLFSS qui a été projeté, je propose de corriger ce que le Sénat a fait en revenant au transfert
initial prévu par le gouvernement. Je ne sais pas si ça a été clair. Voilà, donc c'est une schizophrénie. Soit vous avez 200 millions en plus, soit vous avez 200 millions en moins, puisque aujourd'hui on est à 1 million dans la version du Sénat. Le transfert souhaité par le gouvernement, 1 milliard, merci monsieur le co-rapporteur, le transfert souhaité par le gouvernement est 1,2 milliard. Donc c'est l'amendement 559, où en tant que rapporteur j'ai mis un avis favorable sur celui-ci. Et j'ai mis un avis défavorable sur l'amendement à titre personnel 381. Très bien. Donc je mets aux voix l'amendement de monsieur le rapporteur, le 559, qui est pour. Très bien. Qui est contre ? Non, il est adopté. Amendement donc le 381, qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 48 ainsi modifié, qui est pour ? Qui est contre ? L'article 48 ainsi modifié est adopté. L'article 49 bis, monsieur Isaac Sibyl ? Rédactionnel. Madame la rapporteure, qui partait déjà. Ou monsieur le rapporteur, plutôt. Monsieur Bazin. C'est vous, on aurait dû faire la chaise musicale. Donc c'est parfait. Donc je mets aux voix cet amendement de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 49 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 49 bis ainsi modifié est adopté. Je mets aux voix la quatrième partie du PLFSS, qui est pour, qui est contre. La quatrième partie du PLFSS est adoptée. Je mets aux voix l'ensemble du PLFSS, qui est pour, qui est contre. L'ensemble du PLFSS est adopté. Mes chers collègues, je vous remercie. Et vraiment, je salue également le bon état d'esprit qui règne dans cette commission. Merci beaucoup pour l'ensemble du travail qui a été effectué dans le cadre de ce PLFSS.